Bonjour à toutes les gosses, bonjour à tous les beaux gosses, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On se retrouve sur la version japonaise de Dokkan Battle pour l'Extreme Battle Road édition, enfin première catégorie, et il s'agit des filles pleines de vie. Et là c'est mon match retour les amis, c'est match retour, on les veut les 8 DS, on a changé de team, on joue plus Universis, on joue avec Brienne de Château qui donne 120% de boost de stats. Donc j'avoue que sur le papier c'est pas très sexy parce que du coup on se retrouve avec 120% x 2, donc 240, alors qu'avec Kefla Multiforme on a 170 x 2, 340. Maintenant la différence de la team Univers 6, on a pas mal de bloqueurs de spé, on a 1, 2, 3, 4, et on a 2 stunners, donc ici, et ici, voilà. Bim, c'est parti, comme d'habitude le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch les amis. Comme d'habitude le lien se trouve dans la description, on stream plutôt le soir, donc venez, venez les amis, et de temps en temps on offre des subs, dans certains cas particuliers. Bon, rotation, on va garder une Brienne de Château dans chaque rotation, elle débuff l'attaque de l'adversaire de 10% par allié fille pleine de vie. Ah bah là c'est parfait, 2 x 30%, donc ça fait 60%, donc là en théorie... On ne craint rien. Enfin, oui. Même si on craint rien, on va faire ça. Bah, tant qu'à faire, hein, on va la rentabiliser là. Bon. Paf. Et il bloque l'aspect. Donc on va bloquer l'aspect de l'un et l'autre en fait, tout simplement. Je vais bloquer l'aspect de Goku, tiens. Puis de Tenshinhan. Donc là, mathématiquement, 30% x 2, ça fait 60% de debuff. Donc là, c'est comme si on avait un item de type Wissou. Si là, on perd des PV, enfin, on va en perdre un peu quand même. Bon, bah du coup, Caulifla, je vais la séparer de Kefla. Parce qu'en fait, il y a une phase, en fait, enfin, il y aura un moment où, en fait, il n'y aura pas de Saiyan pur en face. Du coup, elle pourra plus esquiver. À ce moment-là, la Caulifla-Tech la dégage. Ayuken. Ayuken d'amour. Tu vois. Alors, Lunch. Lunch multiforme. Très très forte. À partir du moment où on débuff, elle va lancer plus d'attaques. Kakunsa, ça va débuff également. Alors, qui est le plus tanky? Bon, on va focus Tenshinhan, non. Devoir claquer quand même un item parce que... Parce que voilà. Donc elle, elle peut stun. Elle va stun lui. Alors, je vais essayer de le stun lui. Ah non, il faut que je sois à côté de Brienne. De Bribri. Alors, Kakunsa, ZTUR, elle augmente son attaque à l'infini. À chaque fois qu'elle part en SP, elle débuff l'attaque quand elle part en SP. Attaque plus 80%. Pour la catégorie spéciale pose qui plus 2, attaque plus 22%. Plus encore 22% de def au début de chaque tour. Et grande chance de stun, donc 40%. Si parmi vos alliés, vous avez une Ribrian ou une Rosie qui attaque dans le même tour. Donc ici, c'est pas le cas, c'est dommage. C'est pour ça qu'on va essayer d'avoir une Brian dans chaque rotation. Une Bribri de château. La Caulifla a une bonus esquive par allié fille de pleine vie. Et alors, ça c'est confirmé ça. Ça s'additionne. Parce qu'en fait, j'en avais parlé dans la précédente vidéo. Ça veut dire qu'elle aurait 100% d'esquive. Ce qui explique pourquoi elle a esquivé autant. Oui, 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 oui. Bon. Là, elle va esquiver. Lui, il a sa spé bloqué. Ensuite, je vais bloquer Goku. Et là, en fait, elle a la garde activée. Ok, très bien. Tout est en place. Donc, focus lui. Faut qu'il tombe. Lui, faut qu'il parte en spé. Et lui, faut qu'il meure tout simplement. Elle a jusqu'à 80%. Merci beaucoup, Free Memune.
J'adore comment elle sourit quand elle esquive. Fourberie de fourberie. Bon, par contre, faut que tu crides un petit peu là. Hein. Profites-en que Kayle soit dans la même rotation pour... Non, c'est dommage. En fait, quand Kayle est dans la même rotation, qu'est-ce qu'elle fait en plus? Elle a une ligne de passif qui s'active en plus. Elle lance une attaque supplémentaire qui a une chance moyenne d'être une attaque SP. Ok. C'est ce qu'elle a fait. Malheureusement, il n'y a pas eu d'attaque SP. C'est bien que ça crit un petit peu quand même, les amis. Ouais, là, la garde activée. Quand il y a Cauliflower dans la rotation. Donc, ça va, c'est solide. Plus le debuff de Brian. Et là, on a Brian. Là, ça fait bien. Là, ça fait du bien. Alors. SP bloqué, SP pas bloqué. Qu'est-ce que je fais? Ah, bah, c'est bon. J'attaque en vent. Très bien. Je vais faire. Ça. Ensuite, je vais essayer de le stun. Lui. Tant qu'à faire. Et ensuite, lui, on le termine. Enfin, j'espère. Là, je sais plus si je suis sous item. Je suis plus sous item. Est-ce que je vais pouvoir le tuer? Pas sûr. Tout dépend s'il lance 3 attaques spé ou pas. C'est 16% parlé dans l'univers 6, faut additionner, c'est sur le wiki. Ok. En fait, comme c'est. Enfin, sur le wiki anglais, c'est marqué où, je crois. Attends. Je vais te redire ça, mais j'ai lu hier, en fait. C'est marqué 8% par univers 6 ou fille pleine de vie. C'est marqué or. Attends. Ah, ok, il y avait une note à la fin. 16% par. Ah, mais attends, mais elle a plus de 100% en fait. Parce que 7 fois 16. Parce qu'en fait, elle s'est marquée inclus. Elle peut s'inclure aussi. Cette fois 16, ça fait plus de 100%. C'est marqué bof. Non, sur le wiki, c'est marqué or. En fait, le passif, c'est. Enfin, dans le cadre du passif, c'est marqué or. Mais tout en bas, on a une note qui dit que c'est bof, ouais. Mais c'est en bas, en fait. C'est pas indiqué sur le passif, c'est juste la. Bah, c'est ce qui est indiqué. Alors, elle continue à danser. Continue à danser la Zumba. On sait bien qu'elle meurt, lui. Donc, lequel a l'aspect bloqué, les deux. Ok. Alors, on continue à bloquer l'aspect de Goku. Et en espérant que. Que Kakunsas le termine, lui, là. Cher Kakunkas. Allez. On tue le Migate no Shovi, là. Parce que... Bon, en fait, c'est ça, le problème, quand on a que 250% de stats, c'est que ça tape pas très fort, là. Ouais, Ronaldo. Pour l'instant, je m'en sens pas trop mal. Ouais, t'inquiète, Mamoun, je termine mon run. Et pour célébrer ça, on fait la Zumba. On fait la Zumba Caféo. Elle devrait arriver sur la globale dans pas longtemps. Ok, le stun est passé. Par contre, c'est un stun sur un seul tour. Bon, j'espère qu'il va pas m'attaque SP lui là. C'est vraiment très gentil de sa part. Donc on croise les doigts. Il est un peu debuff normalement. Faut juste qu'il part pas en SP et je survie, sinon je suis mort. Bon, ça va. Allez, on bloque la SP. Ça, Tenshinhan, tu vas pas nous saouler. Bon, Goku n'a pas été assez debuff. Ah, oh, le DPS, ça fait. Comment dire, le DPS fait mal au cœur, hein. Bon, heureusement qu'elle est là, elle. Hein. Dégâts supérieurs, là, bim. Petit Gogeta.
Flèche vers le haut, voilà. Stun, blocage de spé. Ouh, triple spé. Ça, c'est l'arbre qui a proc. Allez, un petit stun. Ça serait beau. Ah, dommage. Bon, c'est pas grave. Le blocage de spé, on prend. Par contre, on n'a pas la garde activée. Donc, j'ai. Non. On a pris quelques stacks depuis tout à l'heure. Ça devrait se passer bien, à peu près. Bon, ça va. C'est bon, je pense que là, on maîtrise la partie. On maîtrise. Je vais essayer de garder les jauges d'Okan pour la dernière phase. C'est ça la strat dans la strat. Ce sera ça notre objectif, les amis. Ça serait bien qu'on le tue quand même. Ça commence à être un peu long là. Ça y est, j'en prod. Ah, le petit crit. Bon, là c'est fini. Lunge qui lance au minimum 2 attaques supplémentaires. Bon, j'ai pas eu le nombre de tours, mais c'était un peu long. On a claqué 2 items, ça va, on est dans la moyenne. Maintenant, il faut qu'on arrive à tuer tous ces bougres avant la jauge d'Okan. Oui! Caulifla, maintenant je la dégage, Caulifla Tech. Voilà. En fait, j'ai un peu d'esquive quand même parce qu'en fait elle gagne 8% par fille pleine de vie. On a 7, donc 7 fois 8 ça fait 56. Elle compte pour 2, donc c'est 16. Univers 6, il y a qui d'autre? J'ai encore elle. En fait, j'ai 16 et 16. Quelqu'un peut calculer? J'ai 16, 16. Et. 8, en fait, j'ai 2 fois 16 plus 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois 8. Quelqu'un peut faire le calcul? Je compte sur vous, les broudeurs. Je compte sur vous. Alors, je pense que 82% de chance d'esquive, eh, c'est pas mal en vrai. Comme Kamessinine, bah cette fois-ci on a l'avantage du type. Attends, 82 ou 72? Non les gars, vous êtes aussi mauvais que ça. Eh hey, soyez d'accord entre vous là. Bon, on va claquer ça en premier temps. Vous méritez un ban. Il y a des gens qui sont vraiment si nuls que ça. Donc c'est 72 ans. Ok, 72 ans. Bah c'est autant que Migaté. En fait, elle a autant que Migaté là. Migaté LR. Là, on a l'avantage du type avec Brienne de Château d'eau, le Château Rouge même. Ça devrait bien se passer. J'ai l'item et il me découpe comme ça, lui. Ah, il fout le seum. Mustang, nice. Nice low. J'avoue, j'ai oublié la musique, elle est grave relou en fait. Faut voir de l'amour. Tu me dégoûtes, wesh. Alors là, j'ai pas la garde activée. Donc il faut faire attention. Bah, bah focus toujours le même. Hein. La moustache. Quoique là, je peux peut-être bloquer l'aspect de quelqu'un d'autre. Peut-être Yamcha. Allez. On est toujours sous item. La musique est bien. Ah ouais? Ah, you can. A votre avis, est-ce qu'on aura un jour une Brienne de Château d'Okanfest? Parce qu'à un moment, ils auront fait le tour. Hein. À moins qu'ils nous sortent constamment des nouveaux Gogeta, des nouveaux Super Végétaux, mais à un moment. On aura fait le tour, hein, si on veut un peu de nouveautés. Bon, malheureusement ici, pas double SP de garantie.
Merci. Ok. Lui, il a l'aspect bloqué. Lui, il a l'aspect bloqué. Il n'y a que lui qui me pose problème. Le cochon, il est où? Ah, le cochon, en plus, il attaque ici. Ah, fourberie. Fais chier, j'ai pas le choix. J'espère qu'il va pas partir en spé, c'est saloperie de cochon. Je vais peut-être essayer de le stun. Soit à l'ouf là. Ah, s'il part en spé, je suis mort. Ça, c'est relou. S'il part en spé, je suis foutu. Je croise les doigts pour pas qu'il parte en spé. S'il te plaît. J'ai peur. Ah, oh, j'ai peur. Le run, c'est aussi long qu'un match de Tsubasa. Oui. Ah, ça m'en... Bah après, bon, ça nous pousse à faire à monter les liens et à mettre des équipements. Voilà. Non, le stun n'est pas passé. Pas d'attaque spé, le halouf. Ça va. Il manque un détecteur de spé hein, chez les meufs. Allez, lunch, là, on compte sur toi, là. On compte sur tes multitudes d'attaques, là. Alouf encore, il met à chaque fois, il attaque avant moi quoi. Allez, tu sais quoi, on donne tout sur lui. Non, on va bloquer Yamcha. Là, j'ai chaud là, allez. Pas de spé du cochon, mais j'ai peur là. Ça fait un moment qu'il peut partir en spé. Fou, ça va. Aïe, bon. Combien on prend? Wouah, juste avant que je lui bloque la spé, l'enfoiré. Ah, punaise. Juste avant que... Ah, j'ai le seum. Ah, si le cochon part en spé, je suis foutu. Ah, j'espère qu'il va pas partir en spé. Sinon, faut qu'il esquive la qualifier. Donc, j'ai 112% de chance d'esquive. Ah, s'il te plaît. Oh, le run, qu'est-ce qui va être long. Ce tacle assassin. Allez, pas d'attaque spé, esquive. Nice, esquive, esquive. Ok. C'est un peu chaud quand même là. Putain, il faut qu'il crève quand même, Céline. Allez, c'est à un moment, faut arrêter de. Bon, le cochon il est toujours pas parti en spé là. Donc on va le neutraliser maintenant là. Allez, là, allez. Oh, ce run. Qu'est-ce qu'il est long. Ou sinon, sortez-nous un vrai leader, les gars. Un vrai leader, parce que 120%, c'est pas tenable, quoi. Non, mais il a 6 milliards de... Et en plus, attendez, j'ai quand même... J'ai 3 unités qui a l'avantage du type sur lui. Et je n'arrive pas à le tuer. Sinon, il faudra mettre x2. Bah sinon je vais couper le deuxième combat je pense. Je verrai. Ah là là, quelle tristesse. Ah la tristesse les amis. La tristesse.
Bon. Là, si t'aimes. Si ça passe pas, là, on aura tout donné. En fait, s'ils sont deux, on peut bloquer l'aspect des deux. Ah, c'est chaud, là. Ça marche, Tine. Allez, on le tue, là, les gars. Allez, il faut que ça crit un peu, là. Faut que ça crit ma Gogeta. Oh, il reste un trait, non. Tu le ? Non. Oh, j'y crois pas, j'y crois pas. J'y crois pas. J'en ai marre de ce jeu. Il se fout de ma gueule. J'ai pas d'autre mot là. Faut que tu en plus ajoutes Dogan, bah je suis à fond là. Non mais il veut pas mourir. Ah enfin. Oh j'y croyais plus. Pas d'attaque SP. Aïe 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 aïe. Voilà, c'était très dangereux là. Ok, là c'est bon. Là, enfin, c'est bon. Quand je dis c'est bon, c'est pas bon. Ok, l'aspect du cochon, on s'en occupe. Attends. Je vais peut-être tuer qui en premier temps. Je réfléchis. Vu que lui, il attaque plein de fois, on va s'occuper d'abord. Le Halouf, on l'empêche de vivre. Mais il faut qu'il canne, là. Comment ça nous saouler là. Allez, Stun Yamcha. Coup de griffe. Nice. C'est bon. J'ai l'impression que les deux autres ont beaucoup moins de PV. Ah non, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. En fait, il faut avoir l'avantage du type pour faire un peu de dégâts. Parce que sinon. Sinon c'est pas ouf. Alors, les deux ont une spé bloquée. Non, pas Yamcha. Il attaque avant moi ce bâtard. Ah là là. Ah punaise. Bon bah ici, tout se joue ici en fait. S'il se perd avant moi. Walida. Walida. Je vais quand même bloquer l'aspect de ce cochon. Tiens, on la joue safe, tu vois, on la joue safe. Tout se joue ici. S'il part en spé, c'est fini. Si j'ai plus d'item. S'il part en spé, je vais devoir ban quelqu'un. Stop les Yamcha. Je trouve que t'es plus fort que Vegeta. Je trouve que t'es plus beau que Vegeta. Je trouve que... Non, je rigole. Je l'ai migaté, les amis. Je l'ai migaté. Eh, hey, on joue avec les armes du bord. Ah. Bon, les deux sont bloqués. Dokkan mode autour. Putain, on a rempli deux fois la jauge Dokkan quand même. C'est incroyable. Je crois que ma strat, enfin si je dois le refaire, c'est que direct je rush la jauge de spé. Direct. Direct, sans perdre de temps. Je vais peut-être éviter de faire ça. Clairement, il meurt là, Yamcha. Ah attends, qui part en Dokkan mode? Ah, je vais laisser elle plutôt. On va bloquer l'aspect du cochon. Comme d'hab, pour l'empêcher de nuire. Et lui, faut qu'il meure. Allez. Et si ça passe pas. Je comprends plus quoi. Ouah, ouah. S'il a pas de damage. Ah, les rageux, ils vont extraire une image du run, ils vont dire ah, regardez, il fait pas de dégâts, il est cash player. Ne pas sous-estimer la puissance des miskins. Ayuken, allez. Nos cochons.
Oh là, faut que ça crit là. Oh putain de merde. Non. Oh là 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 là, Yamcha. Yamcha, alors, Yamcha, tu es beaucoup plus beau que Vegeta. Tu es le plus beau dans Dragon Ball. Tu es le plus beau. Tête de Wam, t'es le plus beau. T'es le plus beau. Même Vegeta. C'est bon, je m'arrête là. Ah bah c'est, cette fois on le tue les gars, cette fois-ci on le tue. Waouh le cochon, j'ai tellement mal le Alouf Master. Je suis le plus beau des célibataires. Non c'est bon là, Princesse Auto. Elle lui fait no. Et en fait elle lui fait le signe de Jules. C'est ça qui fait les dégâts. Bien sûr c'est le plus beau des guerriers Z. Bon, ne vendons pas la peau de l'ours, les amis. Ne vendons pas la peau de l'ours, regardez. Ce saloperie de cochon, il a. Ah, mais c'est fou, ce jeu me rend fou. Regardez-moi cette fourberie là. S'il pense pas en SP, attends, il y a combien de def là? 56 000. Ça peut être un peu juste en vrai. Ah, pas d'attaque SP, le Alouf, pas d'attaque SP, le Alouf. Bon, ça va. Derrière, on lui bloque la SP là. On aurait pu survivre, mais en fait, comme... Ouais, c'est bon. 8 DS, les gars. J'ai l'impression que j'ai bataillé pendant je sais pas combien de temps, là. Ne jamais vendre le Alouf, le lard du Alouf, avant de l'avoir quick. Bon, c'est passé, les amis. Je sais plus qu'il disait, ouais, c'est très facile. Ah ouais? Ah ouais, le run le plus long de ma vie. Hein. Bon, je pense que je ferai un petit montage... Sinon c'est trop long, 40 minutes le run, la VOD dure 40 minutes, c'est trop. Bah en même temps, 120 de ça fois 2, bah, bah c'est ça le résultat. Bon allez comme d'habitude les amis, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. La clé de la réussite, bah c'est patience et debuff et blocage de spé. Donc voilà, merci beaucoup, à très bientôt.